Salut à tous, donc on venait de combattre un petit boss. Enfin un petit boss qui a quand même failli m'arracher la gueule. Hein. Et on va reprendre le train. Voilà. Notre but en fait c'est d'aller à la tour de l'horloge pour rencontrer le premier divin d'avant. Geralt, qui est une armure bien, bien sympa. Et celle-là elle résiste au feu mais bon. Voilà. Donc il n'y a que son qui peut la porter si je me trompe pas. Quand cette attaque à la con, ça. Ouais, pas trop résistant, hein, comme vous pouvez le voir. Quant à elle. C'est pas une marque de lait, ça. Bon, je dois comprendre avec un truc. Oh. Donc, Cure, il a bien monté, hein, puisque c'était le seul en vie encore. Ouais. Niveau 15. Ouais. Donc voilà, n'oubliez pas l'armure. C'est là où vous pouvez la copier cette attaque. Ah, je dis qu'ils sont pas résistants mais ils font pas de dégâts quand même. Avec leur magie d'eau. Et ils sont rapides aussi. Mais bon, si on n'oublie pas de se soigner, ça devrait aller. Alors, préférez bien sûr Tur pour faire les magies. Alors, la dernière fois, j'avais utilisé Foxy pour le boss. Parce qu'elle était plus rapide que le boss alors que Tur était plus lent que le boss. Forcément. Donc là on retrouve un chat avec un parapluie. Non non les développeurs n'ont pas fumé de jour. Hein. Ah, ils sont complètement tarés ces développeurs. Donc attendez, on va faire quoi? Attends, Yang. Non, non, non. Je vais faire un truc sur plusieurs personnes. Pas un truc de feu. Non merde, j'ai plus d'attaque de feu. Ah merde, sur une seule personne. Une seule personne. Hop, Kojima. Putain, bon, par contre, Kojima, allez voir Luoxu de Delmix et de Noggenfogger. Donc lui, il a fait le 1, Delmix le 2, et là, ils font 3 ensemble. C'est ce qu'on appelle de l'esprit de portable. Voilà. Alors par contre, vos objets, vous regardez par exemple, Oban 7, mais franchement, n'hésitez pas à... Voilà. De toute façon on s'en fout, on peut pas en avoir plus de 9. Donc dès que vous voyez que vous allez en avoir 9, usez-les quoi. Donc là on retrouve le dirigeable. Oh putain, j'ai la musique là. Ouais, on se demande ce que font les voleurs ici, mais... Vu que c'est des voleurs, ça m'étonnerait pas, ouais, qu'ils prennent l'épée. Et hop. On y retourne. Parce que c'est con, après le dialogue, il se barre, donc du coup, on peut pas y retourner. Parce que normalement, il y a un truc, attendez. Putain, il est où, merde? Fermé par un rocher, une porte. Non, dirigeable. Putain, mais il faut arrêter de fumer, là, les gars. Alors, non, ce n'est pas ça. Bon, désolé si ça lag, hein. Putain, c'est où? C'est ça? Bon, il y en a allemand, il y a un truc pour se régénérer, mais alors là... Vous avez où que je sais pas où il est. Je vais être pourtant certain. Ah non. Ouais, et puis on s'en tape. Donc on se casse. On va aller à la tour de l'horloge. Au nord. Putain, ça lag à mort là-haut.
Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je sais pas, je sais même pas pourquoi j'avais dans le menu. Ah oui, voilà, je viens de me rappeler. C'est pour sauvegarder. Vous voyez, les monstres ici, il y a pas mal de monstres qui font des trucs d'eau. Sauvegarde sur l'autre, hein. Au cas où. Voilà. Nous voici à Garal. N'ai pas oublié tous les coffres, hein, parce qu'il y a de bons coffres. Et là, vous retrouvez pas mal d'ennemis mécaniques, hein, qui utilisent de la foudre. Pas mal résistant. Bon, le problème en fait de cette équipe c'est Foxy quoi. Parce que moi elle fait de bons dégâts, une bonne agilité, une bonne rapidité, mais franchement niveau vie c'est au ras des pâquerettes. Donc quand on rencontre des ennemis voilà, qui font des grosses magies, on mange quoi. J'essaie de pas trop se paumer. Donc je suppose que les ennemis craignent la foudre. Vu que c'est les machines. Ouais, génial. Alors ça c'est une mélodie de Taris là. Ça c'était du Mozart ça. Bon ça va là, je sais pas d'où ils ont sorti une musique aussi évident. Attendez, je fais n'importe quoi en plus, je vois même pas qu'il y a une barrière. C'est chiant, la fréquence des combats est trop élevée quoi. Autant sur la carte ça va, mais là. Aïe. En plus, je suis con, je devrais pas essayer de quitter, je devrais combattre. Parce que vous avez vu l'XP qu'il donne quoi, j'ai monté d'un niveau tout à l'heure pour chaque perso. Même pour Turk qui venait de monter de niveau quoi. Ça prouve que c'est on XP bien quoi. Bon. Mais merde! Oh. Par rapport à une machine, ça me rappelle dans FF7 la magie foudre au début quoi, c'est un... Rien qu'avec ça quoi, on fait tout quoi. Parce que dans FF7 c'est tout, tout le début du... Genre il frappe la porte le mec. Ouais, au début du set c'est tout... C'est tout des ennemis mécaniques en fait. D'ailleurs, si vous voulez voir FF7 en boxe, allez voir celui de Pikani. Donc ça s'écrit P-I-K-E-2-N-Y et non pas P-I-K-E-N-I comme je l'ai écrit dans le sort là. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait demandé de faire tous les Oxmakers en sort, mais à part Pikani, c'est quasiment impossible. Si, attendez. Je suis pas sûr si c'est du. Parce que s'il y a ça, ça va encore. Du. Ouais, c'est fait exprès, hein, je sais pas. Ouais, y a pas du. Donc on peut pas faire du hook. On peut rien faire, quoi. Merde. Merde. Bon, c'est bon. Mais non, mais. Quel con. Je prends même les pinceaux dans les touches, là. Ouais, donc Dalnix on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas le son Xe. On peut pas faire Freeze parce qu'il n'y a pas le son Freux. On peut pas faire Nogan Trigger non plus. Scalarex non plus. Helios non plus. Bancard non plus. Parce qu'il n'y a pas de R en fait. En fait, on peut quasiment rien faire quoi. J'ai de la chance quand même.
Qu'est-ce qu'ils avaient à ta question là? Ils donnent de l'or en plus, c'est ça. C'est terrible. Power, voilà. Donc ça, ça va être bien utile. Enfin une nouvelle masse pour lui. C'est pas souvent, hein. C'est pas souvent qu'on en a des armes pour lui. Alors attendez, ce que je voulais faire. Donc, voilà. Je me demandais si. Non, ouais. Il peut pas porter les armes là-dessus en lui en fait. Bien que ce soit un géant vu que c'est un mage. Donc désolé si, si c'est long, mais avec la fréquence des combats aussi. Faudrait que je crée des nouvelles magies. L'eau, je sais pas si ça va leur faire grand chose, ça non plus. Du vent, c'est un combat. Oh, je pourrais peut-être faire Raiju en fait comme. Attendez, je vais voir. Ah ouais, pas mal. Bref, on m'a expliqué pourquoi je fais 84 sur les deux, puis qu'il y en a un qui meurt et l'autre non. À moins qu'ils aient pas les mêmes stats, normalement, ça aurait pas dû faire ça, enfin bon. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas Ré, Ra, Yara? Ah, il y a le I. Ah, je peux faire Raiju en fait. Bon, attendez, je vais le faire. Je vais faire la place de Mizuka. Je vais faire Raiju. Bon, je l'écris à l'arrache. Hein. Ah, mais non, je peux pas jouer, y a pas. Non, y'a pas. Ah, mais non, en fait, je peux pas. Eh ben non. C'est con, hein. Ouais, je peux rien faire, quoi. Y'a que Pikeni qu'on peut faire en haut, ce mec. Du coup, c'est pour ça qu'il a demandé de le faire en changeant l'orthographe. En ce cas, sa gueule. Non, je sais pas. Bon, alors. Dartol. Là, il faut avouer que les... le car design est sympa. Bon, moi perso, je préfère celui des FF. Mais les monsters, les monsters. Les monstres sont pas mal. Ouais, mais c'est un boss le gars qui a inventé. Deux tours que je m'acharne, il est toujours comme moi. Ah, là, s'il s'enfuit, je pète un câble. Mais oh, c'est quoi ce délire là? C'est le gardien de la porte ou quoi? C'est le portier? C'est parce qu'il faut avec son collier de perles, non? En fait, c'est parce que j'ai pas voulu lui acheter. Ah, voilà. Ah, mais ça valait le coup. Putain. 272 PO. Ça devait être le prix du collier de perles. Voilà, j'ai pas oublié. Quand on voyait des petites dalles comme ça, c'est qu'on peut tourner. Aïe, je sais pas s'il faut aller à droite ou en haut. J'hésite. Bon, allez, pour le fun. A mon avis, il faut pas aller par là, hein, parce que par là, ça continue le jeu, en fait, ça, à mon avis. Ah non, c'est bon. J plus, un J plus, parfait. Donc c'est bon, je suis allé au bon endroit. Parce que ça m'énerve de devoir faire des allers-retours quand je me bourre dans le droit, quoi. Je crois que j'ai pris quasiment tous les coffres d'ici. De toute façon, je sais pas de m'enfuir parce que je m'en prends plein la gueule si je le fais. Donc autant tous les ennemis. Hein. Ah. Donc on continue par là. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt au sommet. C'est assez long, mais ça va pas tarder. Là. Bon, par contre, c'est là que je vais me paumer. Je le sens. Là. Ah, plutôt. Ah non, pas ça. Eux, je m'en fous, tu vois. Parce que là, il faut deviner ce que c'est l'essence de... Enfin, le caractère qui est à la place du point d'interrogation. Pour tous ceux qui avaient testé, franchement, faut 20 ans, quoi. Et soigne-toi, ça sert à rien. Oui.
un sion, comment il sert à rien. Franchement, regardez, à côté de Tur. Tur a plus de vie, plus de magie, puisque sion, il a rien du tout en magie, quoi. Et en attaque, à cause de la masse, il est plus faible, quoi. Alors, yes. Le truc, c'est qu'il me manque un objet ici. Parce qu'il y a une armure assez puissante, et je l'ai pas. Oh. En plus, il craint la magie, ça. D'accord. Bon. Un tour de perdu pour rien. Bon, bah, vidéo de merde. Ça a rien passé, c'est pas grave. Ah, parce que là, en fait, je vais pas vous le cacher, il y a un boss. Et j'aurai pas le temps de le faire. Donc je pense que je vais... Enfin, soit je fais une vidéo de plus de 20 minutes, soit je... Soit j'ai bientôt coupé. Juste avant le boss. Attendez, non, là c'est le boss où je viens. Donc faut aller en haut. Là. En point de sauvegarde, donc il y a le boss. Ah! Attendez, je crois voir un coffre. J'espère que c'est pas un coffre que j'ai déjà pris. Ah yes. Je suis allé à tâtons parce que pour pas faire trop de casse, pour pas rencontrer l'ennemi. Ah voilà. Jax. Jax, donc une armure qu'on va mettre à elle. Vous voyez, comme ça, le yang, la foudre et le feu. Elle résiste aux trois. Donc maintenant, je vais reboire de l'eau limpide. Putain, dans l'eau limpide, il y a Olaf. Donc, allez voir le Oxu de God of War de Kardex. D'ailleurs, je suis très fidèle à son Oxu. Là, je suis assidûment toutes les vidéos. Non. Bon, écoutez, on va se quitter là. Ah, je vais me soigner là. Ils font chier parce qu'ils foutent le truc de soin trop loin du point de sauvegarde. Là. Donc, le temps de remonter. Et voilà, putain, c'est casse-couille. Oh non, pas lui. Voilà, ah bah c'est bien. Même pas de combat entre le boss et le... Voilà. Bon, bah, on se retrouve la prochaine fois. On continue toujours sur moi. Quoique j'hésite. Enfin, on verra. Allez, salut.